Et heureusement, Beryl passait sous le côté sud là, même si heureusement, nous pas enregistré un pile de dégâts. Et Jean était prévu pour un pack Beryl pour aller sur le département, surtout sur le côté là. Et gloire à Dieu, c'est pas comme ça a passé. Mais nous avons Radmari qui était faite avant cyclone là, à 11 h du soir, quand était en pile et monde qui habitait sur le littoral là. Et de l'autre envahi la caillou de mer t'est monté, non mer t'est monté, qui t'est cause un peu de monde t'est été déplacé. Mais c'était plus de peur que de mal. Et dans demain matin, très tôt, de l'eau en lui-même était reculé. Nous fait visite et directement à vérifier comment ça y est, dans toute pointe et l'îlette et la Tourterelle. Nous allons aller des forts, nous allons geler pour nous regarder comment la situation y est. Parce que ces zones, ça qui ont déjà pu toucher. Malheureusement, nous avons des pêcheurs qui ont un peu de temps, qui perdent des outils de travail, ça perd du canot. Et c'est peut-être en prenant noter dans nous, c'est avec Ekazek que nous avons travaillé pour nous faire une évaluation rapide, pour nous écouter, nous avons aide pour nous, parce que nous connaissons avec ça, rechercher la vie. Il y a un peu de plantation tout, qui détruit. Il y a un peu de monde qui perd et ça a été gagné comme agriculture de subsistance. Bon, Dieu merci, nous pas perdu de vie, nous pas gagné perte en vie humaine qui enregistré. C'est vrai que encore nous déjà jeunes, mais c'est pas passage Beryl. C'est un monde qui est allé bien en mer, malheureusement, qui n'est. Mais pour nous-mêmes, dans la commune, nous n'avons pas enregistré mort, mais il y a un petit dégât matériel qui bah, dit, qui pas considérable, mais quand même qui dérangeant parce que nous connaissons la situation nous à vivre. Donc, il mettait abcès sous clou. Et gagner une protection civile qui déjà a sillonné toute commune pour nous avoir un rapport définitif. Nous avons fait plusieurs zones, donc nous avons été fin semaine dans là pour nous avoir un rapport total. Alors, et final de bilan et Beryl, passage Beryl au niveau de commune. Vous n'avez pas de tête en vie humaine, mais il y a déjà bien qui des familles et quand notre père dit non, mais dis-nous déjà, on va prendre des mesures pour être capable d'aider capables d'aide et supporter le monde. Ça aussi, toutefois, dis-nous si toutefois, la jeune qui sont faites. Bon, parfois, aide la pas de sortir dehors. C'est une pensée communauté en lui-même, à même pour lui porter support, parce que c'est ça qui rend nos communautés fortes, c'est nous-mêmes nous avons les épaules l'une à l'autre. Ce n'est pas forcément tout le temps pour aider la sortie dehors, il faut que nous commencions conscients. Parce que pendant pas une grosse catastrophe, pas grand pile monde qui est victime, mais si nous avons une minorité qui est victime, je pense que c'est le premier secours qui a sorti la caille. Donc nous allons faire une évaluation, nous allons prendre le public, si il y a des gens qui veulent, nous allons tout de suite chercher des partenaires qui peuvent aider nous aussi rapidement que possible. Parce que pas oublier, nous sommes rentrés en juillet, là, à l'école pour l'ouvrir, c'est avec une petite plantation, ça que nous allons dans le marché, un petit comme l'école, c'est les pêcheurs rentrés, ils vont en cargaison. C'est avec préparer l'école petite. Donc, c'est un impératif pour le monde, bien qu'il y ait la vie, mais tout nous-mêmes nous gracier parce que nous-mêmes n'avons pas vraiment touché. Si nous capotons aide bio, il est très important que l'aide dans le lien commence à soutenir à travers la communauté, même immédiat, nous avons. Après le passage du Premier ministre dans le pays d'Asie, nous avons accentué sur les dégâts qui sont faits dans le sud. Est-ce qu'il y a une approche qui est faite entre Migrocan et gouvernement. Et nous parlons déjà avec le directeur de protection civile, qui c'est Emmanuel Charles, qui c'est Timon et Okai. Il y a effectivement à travailler sur un plan de drainage et pour nous comment nous éviter plus catastrophe, parce que nous connaissons comment le local fait avant de monter. Nous avons fait une petite partie, nous-mêmes avec les moyens, mais nous disons que c'est une urgence pour nous pendant la période cyclonique là pour nous comment le local a un moyen pour nous permettre que les questions aux usées hein, évacuées au niveau de la ville. Effectivement, l'idée de faire ça en priorité. Et nous avons cherché des points focales pour nous-mêmes nous gagner pour que au moins le projet ça vienne atterrir dans la commune pour que nous permettre que là où il y a la pluie, il y a un cyclone comme ça pour question inondation, hein, pas faire nous perdre du monde, pas faire nous perdre et matériel. Tout. Donc si nous avons évité, nous avons évité ce travail sur ça. Donc Emmanuel prend ça à cœur, directeur général, hein, pour lui-même, pour lui travailler sur ça, pour permettre que au moins et département, pour particulièrement comme le local, est à jeune, on se prend dans ça. Bon, et nous souhaitons, Jean-Béry passé, il n'y a pas de monde qui mourit parce que nous avons fait attention, il y a des monde qui était en train de retirer le corps de la montée, pour suivre le conseil de protection civile à Bayou, parce que nous connaissons, ce n'est pas un bagage qui
qui comme t'as dit qui passe comme ça c'est chaque année nous gagne cyclone nous gagne période cyclonique protection civile toujours dit mon mais qui précaution pour nous prendre donc pas négliger sous ça parce que jusqu'au mois de novembre et période cyclonique là pas très très facile d'après prévision qui gagne donc et c'est nous mêmes premier monde responsable de la vie ou c'est nous mêmes donc on doit toujours continuer prendre précaution pendant nous mêmes n'a chercher la vie pour éviter que nous pas perdre la vie et même mon tour et pêcheur yo depuis nous annoncer cyclone pas mettre pas tannas pas mettre et matériel nous sous nan mais plutôt parfois ou pour petit temps on miser mais ou une bonne nouvelle on a parce que nous connaît que c'est avec ça à faire ou chercher la vie ou en attendant pendant n'a chercher la vie en essayer protéger la vie donc pendant période cyclonique nous demander tout le monde faire un peu l'attention yon veille sur l'autre et sous temps des messages ou connaît yo partager avec voisinage ou cap porter négligence pour nous sauver la vie tout le monde au moins les cyclones nous passer c'est vrai a toujours ta gain dégâts mais au moins nous nous ka veiller sur l'autre et nous ka protéger l'autre.